Bible du semeur, il est dit, si telle est la condition. Excusez-moi de rire. Je sais que ce message est sensible, mais excusez-moi de rire parce que... Les... Ouh. Excusez-moi. Les apôtres, en fait, ils ont écouté ce que Christ disait. Excusez-moi. Les apôtres ont écouté attentivement ce que Christ disait. Mais après, ils ont reposé la question à Christ. Après, ils ont dit, mais dans Matthieu 19, verset 10, Bible des peuples, les disciples lui dirent, deux points, si telle est la si tel est le statut de l'homme et de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il vaut mieux ne pas se marier. Parce que même les apôtres, au départ, ils ont dit, mais oh, si c'est uniquement un cas d'infidélité, ça veut dire, attends, donc je dois la supporter tous les jours alors qu'elle m'insulte. Elle est irritable, elle se plaint tous les jours. Elle ne veut pas faire du sport, elle ne veut pas faire de régime. Elle ne prépare pas bien. Elle ment tous les jours. Bref, elle fait en sorte que je n'avance pas spirituellement. Je dois supporter ça. Ah, toi aussi, premier-né. Ah, comment ça, on doit supporter ça? Voilà ce que les apôtres disent. Bible du semeur. Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Mais c'est pas intéressant pour lui. Dans les apôtres, ils disent à Christ, mais dans ce cas, pourquoi se marier? C'est pas intéressant d'être avec une femme qui va t'irriter tous les jours. C'est pas intéressant d'être avec un homme qui va t'irriter tous les jours, qui va te fouetter tous les jours. Ce n'est pas intéressant de subir des moqueries, de subir l'emprisonnement tous les jours. Mais ce n'est pas intéressant. Dans ce cas, ça sert à quoi de se marier? Ils posent cette question parce qu'ils savent que ça... Parce que ça arrivait constamment. Ça arrivait constamment. Tu vois, tu as ta femme, elle se néglige, Elle ne fait pas du sport, tout ça, elle se néglige. Tu veux toucher ta femme, excuse-moi de l'expression, que ce soit la femme ou l'homme, tu veux la toucher, tu vois qu'elle a des odeurs, par rapport à l'hygiène, c'est pas beau. Ça sent, c'est pas bon. Le mari est repoussé. Forcément, quand la femme aura envie, peut-être on va, dans ce moment-là, on appelle ça le câlin, le mari va dire, ah non, ne me touche pas, je ne veux pas, je suis fatigué. Vous voyez, ça commence à casser le couple, petit à petit, et le mari s'éloigne. Mais les apôtres demandent, mais où, c'est pas avantageux de vivre comme ça. Donc, en gros, vous avez signé un truc, tu peux peut-être t'en détacher, à moins que ta femme commet l'infidélité, et puis, oh tiens, je me sauve, ah, au revoir, je fuis, oh, heureusement. Les apôtres ont dit, ouh, et mais, ça sert à quoi de se marier en fait? Ce n'est pas avantageux. Vous voyez?